avec tout le monde. Je sais pas comment vous avez ton compagnie là. Virgule 27. D'occasion. Donc voilà, là, on a dépassé la limite. On fera très attention. Il peut y avoir un spécimen non identifié, je répète, un alien. En fait, il y a rien, vous. Ah, c'est bizarre. Normalement, il y a des requins. Bon, bah, je vais essayer d'aller plus loin pour me faire bouffer. Le mec, il va absolument se faire bouffer par un requin. Voilà, et voilà. Ça, vous avez peur, hein. Alors voilà, donc on respawn à côté de la terre ferme. Demandez à un ami de regarder cette vidéo et mettre le son à fond. Ouais. Et vous allez entendre bien le son de la mort. Même si quand on est mort, on peut plus trop faire de son. À part juste avant de mourir, on fait. Donc pour l'épisode 7. Merde, je me suis tombé de côté. j'ai doublé tout à l'heure un côté beaucoup plus rapide. Ça évite de faire que le parcours acrobatique. Donc, on est à l'épisode 7, mais je me trompe pas. T'es sûr? Ouais. Vraiment. Ouais, on est à l'épisode 7. Effectivement. Alors, donc. Où est l'épisode 6? On n'en sait rien. Je pense que c'est. Ouais. Bon, alors voilà, donc on est à l'horizon. Même si dans une prison, il n'y a pas trop d'horizon. Sauf si on regarde par la fenêtre. Donc une maison spéciale. Donc, l'épisode va s'appeler On est à l'horizon. Ouais. Maintenant, à tous les chapitres, il y a une mission spéciale ou pas? Je crois pas. Bon voilà, on l'a dit. J'abandonne. J'ai trop vieux pour courir après ces jeunes blancs becs. Besoin d'un coup de main? Volontiers. Vous pensez être capable de ramener dans leur cellule tous ces vauriens? Ah, c'est de la routine. C'est très con. Faut être concentré. Vu tout ce qu'il y a comme voleur. Bon, c'est bon, hein. C'est pas ça, je pense. Le pire, c'est dans la dernière mission. Les voleurs respawn. Vous voyez, le jeu est bien plus intéressant maintenant. Ah ouais. Donc là, vous pouvez voir, il va réapparaître dans une cellule. La cellule au fond là-bas, vous pouvez voir, normalement, il va respawn. Voilà, vous avez vu? Il bon travail. Puis-je vous être utile, monsieur l'agent? Oui. Oui. Je moi son costume, et toi, poil. Un prisonnier, un certain Blue. Blue? Ah, il est ici depuis presque aussi longtemps que moi. Il s'arrange toujours pour que j'ai une part de ce gâteau que sa maman lui prépare. Il a un goût un peu bizarre. Et voilà, je vais faire une sieste. Faut que je reste attentif, alors j'en fais au moins 4 par jour. Chaise maquée de voleur maintenant. Ouais, au départ il est flic, maintenant il est voleur. Oh là là. Voleur a dû changer de métier. Donc notre costume est vraiment moche, je trouve. C'est mieux quand on a la coiffure de Rex Fury avec. Alors tu y es? Oui. Ok, faut que je fasse vite. Il y a des gardes pas loin. Je sais, il y a Blue qui nous parle. Ouais, avec son croissant. C'est l'unique moyen d'accéder à la cellule. Attends. Chut. Ouais, c'est Blue. Celui qui parle aux viennoiseries. Le dingo. Ok. Vas-y, fonce. La porte est sur la droite, au deuxième étage. T'as plus qu'à espérer que le directeur n'y soit pas. Oh, super. Il croit qu'il n'y fait pas. Non mais, la première brique rouge, on trouve. J'ai raté ma série préférée à la télé. La première brique rouge qu'on trouve dans ce jeu. Il y a déjà eu 3 débloquables. Mais les 3, c'est pas nous qui les avons débloqués. C'est... Laissez-moi sortir, je suis innocent. Ah, il faut une clé, la clé, elle est petite. Ah non, c'est vrai, il faut débloquer le truc avec glace.
J'avais jamais... Là, je suis en train de manger des tartines de Linda, j'en avais jamais mangé autant. C'est ma spécialité, spécial goûter et petit déjeuner. J'en avais jamais mangé autant parce que moi, je suis pas vraiment en fan du Nutella, mais quand je m'y lance. Hein. C'est ma troisième tartine. Allez, le Nutella est vraiment une drogue, pour ceux qui veulent savoir. Délicieux. Ouais, donc je suis un drogué et j'en prends... Le pire, c'est que je prends des tartines de Nutella, j'en prends deux le matin et trois l'après-midi, le soir, quand je rentre des cours, car je suis en technologie. Des cours de technologie, hein. Et sinon, mon travail, c'est travailler dans une mine. Donc voilà. Elle est où la cellule de Rex? Tu vas voir. Ah, punaise, ah bah bravo! Fais sortir de voleur, mec. Oh, tiens, c'est fort! C'est très important! Que se passe-t-il? Dites, vous pensez qu'Eli m'aime bien? Franck, je suis à la prison, vous vous souvenez? J'essaie de découvrir comment Rex s'est échappé. Oh, désolé. Mais bon, oui, je le pense. Chouette! Et hop, ah non, oh mais pourquoi ça fait ça? Donc oui, hein, il est amoureux d'Élu. Alors là, vous pouvez voir les déchets, ils se défoncent, vous voyez, c'est assez à faire. C'est des objectifs secondaires à faire. À télé, hein. Autant les faire. Bah non, parce que j'ai pas tout ce qu'il faut. Ah, en fait, j'ai... une fois que vous avez tous les costumes, plus celui de Rex Fury, car Rex Fury il peut ouvrir des portes spéciales ou quoi. C'est assez mieux, enfin c'est mieux, ouais. Ah, et voilà. Donc, vous êtes un lancier. Si, on peut se faire tout écraser par une voiture. Non, mais vous pouvez tout ouvrir dans le jeu. Ouais, bon. Il suffit de les trouver. Une fois que vous avez exploré, c'est bon. Ah, voilà. Alors, tu sais quoi, je vais te laisser faire quelque chose d'assez bien. Chase, donc, on est à 7 minutes de vidéo. Enfin, 8. Juste de sortir par une porte de l'autre côté de son bureau. Ce sont ses toilettes privées. Bloque la porte. Il y a un ascenseur secret pour accéder à la cellule de Rex dans le bureau du directeur. Mais il ne va pas te laisser fouiner pour le trouver. Compris. Donc, vous voyez, il enferme dans les toilettes. Il ne sortira pas d'ici de sitôt. Bah, aussi, s'il fait caca, c'est. Il y a quelqu'un dehors? Il fait caca brut, ça va être plus long. Je ne laisse personne y entrer, pas même cet imbécile de Dumby. Et je ne veux pas non plus vous revenir. Non, je ne vous appelle pas depuis les toilettes. Bon, à plus tard. Qui est là? Fais du rodéo. Ça fait partie de la mission. Que faites-vous? Non. Ouais, fais du rodéo. Une hiver. Tu vas voir. Par avec des flèches. Ouais, le joystick. Eh bien, ne dérangez pas mes disques. Surtout les disques d'opéra. Excusez-moi pour le bruit, je me fais de tartines. Oui, on est des vrais drogués, on en prend même pendant les vidéos. Ah. J'aurais dû faire avec les plaies, donc là je vais recommencer. Qui c'est en plus? Moi c'est Chase. Je suis sûr que c'était Rex qui l'avait appelé. Greg on le sait, c'est qui? Enfin, je crois que c'est Dumby parce que Dumby a fait réplique. Et non, il dit c'est même pas, c'est pas le signe de Dumby. Mais parce qu'en fait il dit le directeur m'a appelé. Ouais,
c'est essentiel à la mission de faire du rodéo. C'est par ordre alphabétique. Ah oui. Ah oui, des missions spéciales, il y a des consignes. Comment que je vois, voilà. Je vous préviens, ne dérangez pas mes disques. Surtout les disques d'opéra. Le problème, c'est qu'il répète tout le temps la même chose. Ah bah là, il y a un disque, justement. Bah mets-le sur le truc. Ces disques-là sont réservés pour mon usage personnel. Si vous en êtes, écoutez. On va le faire exprès. Cinématique. Une piste. Les voleurs sont contents. Mais un mec qui arrête de creuser pour... Pour écouter la musique. Ah oui, donc cette pièce, on peut y aller pour développer les autres choses. Je ne sais pas ce que ces deux Italiennes étaient en train de chanter. Je ne sais pas non plus pourquoi ces gars dansent entre eux. Oula. Ni comment celui-là s'est retrouvé avec une casserole sur la tête. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Oh ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Je te laisse faire la fin de la mission spéciale. Oui. Bien, on va dire c'est la mission spéciale voleur, on va dire. Parce qu'il y a une mission spéciale flic qui était la première mission spéciale. Oui, en fait, on avait surtout besoin d'utiliser une flic. Voilà. Quand même, on pouvait pas avoir trop le choix entre simple citoyen et pour rien. Ouais, donc là, on met. On... Enfin, je préfère qu'on garde ça, donc là. Désolé, on peut pas le faire. Là, j'ai pas quoi. La cellule de Rex. C'était la cellule de Rex, ça. Bah, punaise. Quelle belle cellule. Eh, hey, les gars, Rex est au courant que vous utilisez son babouillonnant. Tu vas arrêter de m'avoir rencontré. Je vais te mettre une raclée. Hop. Il arrive. Alors, t'as réussi à t'introduire dans l'ascenseur privé du directeur? Oui. Waouh. La cellule de Rex est plus belle que mon appart. En bonne partie grâce à moi. Le directeur avait fait en sorte que Rex est la plus grande pièce de la prison. Ouais, j'ai fait déjà ça. Qu'est-ce que t'espères trouver là-dedans, en fait? Je me suis dit qu'il était sans doute pressé quand il s'est évadé d'ici. Wow. Il a peut-être laissé des preuves derrière lui. Bonne chance pour attraper Rex, Chase. Et quand tu l'auras, passe lui le bonjour de Blue. Un jukebox dans une cellule? On y trouve sûrement plein d'enregistrements. Je me demande bien ce qui est le plus abject chez Rex. Ses crimes ou ses goûts musicaux? Mais comment tu vas? Plus. On va tout péter. Fallait aller sur les toilettes, y aller au moins. Non, je vais y aller. Je vais tout péter. Aller sur le bouton. Je tiens. Oh, le bouton. C'est intéressant. Un bouton caché. Ah, ça c'est le tour de la prison. Mmh. Oh, c'est chiant. On peut pas arrêter ça. Hein. Non. Oh, bah, t'as qu'à pas la lumière. Fais du punching ball. Un sac de frappe et un point de musculation. Super. C'est vraiment un autre bouton caché. Oh non. Je savais pas. Je crois pas, il ne le savait pas. On peut aussi ça, même si ça ne sert peut-être à rien. Faut pas aller. Allez. Hop, allez. J'ai en fait tout. Va te reconnaître. Donc ça, on en a déjà tout à l'heure.
maman, n'oubliez pas. On était obligé d'aller dans les toilettes. Oh, il y a une. Allez. Non, reste sur les yeux, voilà. Non, monte sur le truc et attends que ça marche. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Non, mais allez. Je m'en fiche, je vais me mettre comme ça. Excusez, il y a un singe dans la maison. Mais pourquoi je suis tombée? Parce que tu vas trop près d'un bord. Ok. Donc tu tombes. Allez, prêt. Il marche. On aurait pu casser ça. Bah oui. Il faut casser, de toute façon. Oh, mais on est obligé. Ouais, bah c'est un flic. Ah, il n'y a plus la musique, enfin. Oh, un bouton. À quoi peut-il bien servir? Derrière le tableau. La bonne vieille porte secrète cachée derrière un tableau. Un grand. Attends, j'ai pas déjà vu ça, moi. Si, si, je crois. Il a dit quand? Bah, quand... Là, tu sais, pour aller dans l'ascenseur de la prison. Enfin, pour aller dans la pièce là à côté, dans la salle du directeur, il y avait l'ascenseur. Ouais. Dans les grands tableaux. Ouais. Il a dit quoi? Bah, il a dit la même chose. Oh. Bon, les cinématiques, on va se quitter. Le directeur Stonewall m'a appelé. Tu vois, c'est je ne vous dirai pas de quel nom il m'a traité, mais ce n'était pas plaisant. C'était abruti. Il semblerait que Rex ait utilisé ce marteau pour se creuser un chemin hors de prison. Ça venait de la mine Bluebell. Donnez-moi ça. Le travail de déduction, c'est moi qui m'en charge. Intéressant. C'est un marteau. Et d'où vient-il? Il n'y a pas moyen de le savoir. Mais la mine Bluebell pourrait être une bonne piste de départ. Après tout, ils ont signalé un vol là-bas, il y a quelques mois. Je me rends tout de suite sur place, chef. Passez vite, McCain. Le shérif Huckleberry peut s'en occuper. Ne vous approchez pas de cette mine. C'est un ordre. Chef Dunby, une petite photo pour la gazette? Vous êtes sûr qu'il s'est pas servi de ça? Le petit oiseau va sortir. C'est un peu bizarre quand même Dunby avec le marteau comme ça juste à côté de la tête comme si il était cinglé. Voilà. Yes, moi de Wouhou. Donc on va bientôt se quitter. Donc là on a deux morceaux de film de police. C'est magnifique. Ouais, super. On a aussi ça. Non. 64% de 100% de pièces. On a une nouvelle goutte dorée. Et ouais. Et on va continuer ça. Allez, salut tout le monde. Salut. Salut.